Salut, ça va? Tu te souviens, il y a 2 ans, quand j'avais fait ce truc? Ouais, 130 démos et jeux, freeware, shareware, essais, jeux anglais de sport. Et ben, j'avais dit que je continuerais parce que j'ai les trois. Et donc, du coup, ça a mis 2 ans, mais voilà. Cette vidéo, ce sera sur 75 jeux. Il n'y en a pas 75 comme tu peux t'en douter parce que Windows 10 soit n'accepte pas certains jeux parce qu'ils sont trop vieux, soit considère que certains jeux sont des logiciels malveillants, soit le jeu marche mais il n'y a que du son et malheureusement ben, la capture a foiré. Ça arrive. Donc je pense qu'on devrait être à 60 jeux et encore je suis pas sûr. Bref, dis-moi dans les commentaires combien il y a de jeux et peut-être que tu recevras ma gratitude. En tout cas... 2 ans plus tard, ce jeu sera fait. Et puis on se reverra à la fin de la vidéo. Elle est assez longue la vidéo, elle fait 2 heures. Donc prends-toi un truc à graille, à boire, pose-toi, mets en fois 1,5 fois 2. Et puis on se revoit en fin de vidéo pour que je te donne un petit peu mon avis sur tout ça. On fait comme ça, on fait comme ça. Allez, bonne vidéo! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je comprends pas. Alors, comme d'habitude, nous allons regarder ce qu'il y a dans ce petit CD. Je pense qu'on va trouver à 100% la même chose que lors du premier CD. Alors, on a quoi? On a un autorun qui va nous indiquer 2-3 petites choses. D'accord, il y a juste une ligne et c'est terminé. Notre application est dans notre dossier avec notre application, des fichiers, DirectX, des textes, etc. Si je vais dans les... Ah, attendez une seconde. Dans le premier, on avait la publicité SOS Connexion et KitNet. Là, on a un dossier extra. On a des trucs en plus en X32. Donc, je ferai une recherche pour savoir ce qu'est le X32. C'est nouveau. Et dans les datas, évidemment, on va se spoiler pour vous tous les jeux. Tous les jeux, voilà. Alors, je vois évidemment quelques noms. Je vois du Battlefield. J'ai vu un Battlefield 1942. Ce qui fait déjà au moins un seul jeu de qualité dans ce CD. Et c'est déjà pas mal. On a du Duck Hunt 3D. Je ne sais pas ce que c'est. Puis quelques autres noms. Et puis, ça a l'air d'être tout. On a Teenage Lawnmower. Ça a l'air bien. On a un jeu qui s'appelle Turkey. Ça a l'air incroyable. Let's go. Évidemment, le petit avertissement, les shareware, les freeware, avec toutes les définitions, c'est trop bien. Je pense qu'Internet, en 2023, il n'y a pas besoin de protection, il n'y a pas besoin de kit, il n'y a pas besoin de 56K. Est-ce qu'on va avoir la même musique que dans le CD1? Oh, attention! On a la même musique et on a une image... dégueulasse qui doit provenir d'un jeu que je suis sûr vous avez trouvé. Alors ouais, et bah écoutez, nous allons commencer par 3D Secret Missions et puis moi derrière je m'amuse au montage pour tout couper, tout mettre de façon à ce que ce soit sympathique. Et vous, bah, passez une bonne vidéo. Et je rappelle que tous les jeux, bien sûr, peuvent être maintenant trouvés de manière gratuite et complète. Alors, Freddy Secret Mission, votre vaisseau n'est pas waterproof, difficile donc d'accéder au phare, votre ultime objectif. Heureusement, des capsules waterproof traînent de votre côté de l'eau, protégées par des guêpes géantes. Parviendrez-vous à toutes les récupérer pour donner l'assaut final? L'univers 3D est soigné comme l'ensemble de ce freeware, les amateurs de shoot apprécieront. Bon, alors il y a une registrations obligatoire, donc je vais mettre des trucs au pif actuellement, sachez-le. Voilà. Tac, hop, hop, et hop. Ça vérifie pas, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une map. Très bien, ça commence très bien. Ok, alors oui, il y a des raccourcis, il va falloir que j'apprenne. Le menu principal, le full screen. Oh! Ah ouais, je vais mettre en meilleure qualité, je vais mettre en full screen.
Waouh! Bon, le full screen de l'époque. Vas-y, start. On va faire un petit facile, voilà. Ok, alors ça charge. Oh, oh, ok. Alors, oh, oh merde. Wow, wow, wow. Ok, ok. Oh. Ok. Ouais, alors. Alors, il n'y a pas de musique. Je vais essayer un peu toutes les touches. Ah, j'ai... Ah non, mais je me fais attaquer. J'ai failli tomber dans l'eau et je crois que je vais bientôt mourir. Mais comment je... Bon, et si je tombe dans l'eau, c'est pas grave. Ok. Je vous jure que j'essaye de comprendre. Sachez-le. Ah, il reste encore une. Ok. Il y a absolument pas de musique dans la démo. Au secours. Alors. Ok. Et... Si je... Ah, oula, voilà. Waterproof, ok. Ready. Et je fais quoi? J'appuie sur quoi? Au secours. D'accord, alors entrée. Ça lance une roquette. Et... Et je suis mort. Yes. Et bah c'était un jeu particulier. J'aurais dû lire ça, mais incroyable. Je suis conquis, absolument conquis. Oh, oh, petite musique. Alors le jeu est extrêmement fluide pour moi. Je vais baisser un tout petit poil de la musique quand même, faut pas déconner. Oh là là, keyboard. Ah non, il faut que je paye 15$. Bon bah écoutez, je vais faire un new game et puis on va voir. Normalement on m'a dit juste les flèches et après tu te débrouilles. Alors, easy walk et brick platform. On va faire un easy walk. Ok, ok. Ok. Oh. C'est un espèce de Pac-Man. Ok. Alors ça me rappelle un jeu que dont j'ai déjà parlé sur la chaîne il y a un long moment. Mais là on est sur une sorte de Pac-Man. Et j'ai fini la première zone. Ok. Alors du coup j'ai des vies, du score. En bas à gauche, j'ai une espèce de carte. Ah oui, en effet. Ouais, c'est ça, c'est un espèce de clone de Pac-Man, mais... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ouais. C'est un clone de Pac-Man, mais qui a l'air sympa. C'est pas non plus le clone incroyable, mais... Non, c'est très sympa, ça occupe. Ok. Alors pour l'instant, oula, il y en a un qui me suit, aïe, aïe, aïe. Il fait les mêmes chemins que moi. Ah non, c'est bon. Ah, une petite vie. Hop là, extra life. Et les bonus ont une durée limitée. Ça a l'air pas trop mal, ça. Non, c'est... Belle surprise. Très très belle surprise. Après 3-4 jeux qui ne se sont pas bien passés, qui n'ont pas voulu fonctionner tout court, c'est sympa. Ok, on va cancel the game et on va tenter le break platform. Utiliser space pour sauter, d'accord. Alors, comment... Oh, ok. Ah, alors ça, moi ça me fait penser à Qbert. Aïe, aïe. Ça,
Ça me fait penser à Qbert, quelque part, et surtout parce que je suis une personne qui a grandi avec avec Windows Media Center et ces fameux jeux. Ça me fait penser à Otto's Magic Block. Ah, je peux sauter par-dessus, d'accord, j'avais pas compris. Oh, il n'y avait pas ça dans le jeu vidéo. Mais non, c'est... Ah bah j'ai perdu. Non, il me reste une vie, est-ce que je vais réussir? C'est un peu dur. C'est un peu dur, mais... très très cool. Ça veut quand même dire qu'il y a plusieurs modes de jeu. Et c'est déjà pas mal. Oula, oula, la, 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 oula, ok, ok. Ok, ok, ok. Non mais très cool, très très cool ce petit jeu là. Ah ouais, mais c'est compliqué. Ah, et c'est un game over. Eh ben écoutez, ce jeu là est très cool. Je le trouve très très cool. Je le trouve très sympa. Et on va marquer, voilà. Hop là. De toute façon, on s'en fout, le score notre ne restera pas. Alonix est un jeu très cool. Oui, oui, oui. Ah, bien sûr. 15 balles le jeu vidéo. Attaquard. Violence routière. Ce très mignon petit jeu vous propose une promenade bucolique dans divers décors, villes, campagnes et circuits, au volant d'une voiture, d'un bus, d'une voiture de police. Seul problème, une autre voiture est sur le même terrain que vous et n'aura de cesse de vous avoir fait exploser. Heureusement que vous pouvez vous défendre si vous disposez d'armes meurtrières. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est GTA? C'est Carmageddon? Ok. Ok. Pour le moment, ça va. Alors, computer, oui, comme. C'est quelle touche? C'est W, ok. Comment ça, j'ai 20 secondes? Ok. Rocket launcher, random. On va prendre la mini. Alors, Kishi, Gordon, Noise. Ah, marrant, random. On va prendre. On va prendre celui-là. Et alors, comment ça marche? Ok. 3. 2, 1, je vois la. Ok. Ok, c'est W. Alors, W pour accélérer, les flèches. Et. Ok. Et. Ah, ok. Wow, wow. Putain, on dirait du Mario Kart. Pourquoi il y a une vache? Wow. Mais. On est en train de se courir. On est en train de se courir. C'est débile ce qui se passe. Attends, il y a un son. Laisse-moi avoir le soin. Hop, je soigne. Je vais essayer de me casser. C'est du Mario Kart en fait là actuellement. Ce qui se passe. Mais la musique. Putain, la musique est cool. Oh, ah. Est-ce qu'il y a un dégât de chute? Il n'y a pas de dégât de chute. Ah, par contre, le demi-tour. Comment je fais demi? Ah, mince. Ok, alors ça fait demi-tour automatiquement si je. Wow. Putain, mais. Au secours! Alors, il y a une. Ouais, la vache, au secours. Ouah, c'est particulier, je. Ouah, je me fais défoncer. Je me fais défoncer, c'est vénère. Le computer, il est vénère. Ça a l'air sympa, mais. Ah, d'accord, en fait, gros. Oui. Tiens! Tiens! Ok, je vais tenter. Oh, mais il est en train de m'exploser! Hop, la course d'infirme. Hop là! Oh, petit bonus! Ah, des munitions. Oh, est-ce qu'en hauteur je peux le. Oh.
Je vais essayer de l'attendre là. La musique est... Oh, il m'a... Attends, il me touche d'où là? Tiens! Allez, je vais peut-être gagner. Aïe. Je m'amuse un petit peu quand même. Faut dire ce qui est. Mais vraiment. Ouais. Ok. Allez. Hop là. Allez, j'ai gagné. Alors, j'ai quand même largement l'impression de voir... Ah bah en plus on revient là. J'ai quand même l'impression de voir un espèce de Carmageddon mini-jeu Mario Kart. C'est sympa, mais attends, il y a un mode drive. Oh bah attendez, moi je veux voir ça. Moi je veux voir ça. Ok. Ok. Et donc je dois faire quoi? Ah mais c'est juste pour observer les cartes. Est-ce que tu peux sortir de la carte? Non, tu peux pas sortir de la carte. Ok. Bon bah c'était Attacker et c'est sympa. Aux commandes de votre robot, vous devez éliminer les véhicules ennemis et tenir le plus longtemps possible. Pas tout à fait fini, ce jeu n'en est pas moins excellent. Après avoir lancé le jeu, utilisez les touches espace puis 6, 7, 8 ou 9 pour démarrer le jeu avec l'un des 4 robots. Les touches 1 et 3 permettent de changer les caméras. Ok. Ouais. Alors, oulala, ça a l'air un peu compliqué. Alors, il n'y a pas de musique. Très bien. Sound. Ah, c'est... Ah, oh, me dis pas que c'est en QWERTY. S'il te plaît, pas du QWERTY. Au secours. Help. Oula. Ah. Détail low medium, bah aïe, ah oui, et oh, en détail vectoriel, ça c'est pas mal, j'aime bien. Ok, alors aïe, le son, where is le son? Musique, il y a pas de musique, très bien. Et bon, on va essayer de jouer comme ça. Alors j'essaierai de mettre des musiques au montage. Alors, arrow, mouse, bouton, clic, ok, let's go. Choisir mon monstre. Celui-là. Ah, non, j'ai une souris. Celui-là. Comment je choisis? Ok. Et alors, maintenant que j'ai mon monstre, je peux tirer et je... Alors, j'avance. Ah, mince. Tiens. Ouais. Oh la vache. Ok, c'est un petit peu lourd dans les déplacements. On va pas se mentir. Ouais. Ok. Oh, il y a le bâtiment. Ouais, il y a les petits effets. Ça, c'est sympa. Mais comment je les touche en fait? Au secours! Au secours! Je les touche au moins ou comment ça se passe? Ah ok, ça c'est différentes vues. Ok. Ah ouais, non, ça va être très compliqué. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et quand je tire, ça tire pas où je veux. Donc c'est nul. Bah, bravo le jeu, en tout cas, Battalion, expérience intéressante. Battleboard, soyez rapide avec ce jeu de tir naval, vous pilotez un bateau que vous devez faire passer à travers toutes les missions. Ok. Battleboard démo. Waouh. Alors, déjà, on va mettre une difficulté facile. Le son, on peut pas modifier les balances, tant pis. Alors... Attendez, version les mots, vous avez 24 exécutions restantes. C'est-à-dire que tu le lances 25 fois et après c'est terminé. C'est nul. Alors, campagne. Pour commencer. Voilà, tiens, celui-là.
Alors, vous avez été engagé pour contrôler la barge. Pour avoir ce travail, vous devez passer plusieurs tests. Le premier étant de collecter tous les objets dans un temps limité. Collectez ce que vous pouvez pour compléter. Collectez tout. Ok, et je. Ok. Oh, bon. Il faut. D'accord. Ouais, c'est. Ouais. Ok. Ouah, c'est d'accord, c'est comme ça. Alors, c'est la maniabilité, évidemment, ce qu'elle est. Ok. Ouais, c'est pas facile, cette histoire. Alors, petit effet de vague quand même, hein. Pourquoi le jeu est vu de haut, cependant? Je ne sais pas, sûrement un choix artistique. Il n'y a pas du tout de musique. Ah, c'est compliqué. Vous pouvez traverser l'écran. Très bien. Waouh, en effet, incroyable. J'ai l'impression de faire du drift avec mon bateau. Eh ben, c'était compliqué cette histoire. Par contre, les musiques et les effets, c'était bien. Ok, oula. Vous avez passé le premier test, alors. Ok, bah je vais. Ne touchez pas les torpilles? Ah, d'accord. Oui. Alors. Oula, alors. Comme il y a un peu plus de trucs à l'écran, le jeu a un petit peu de mal. Ah, ça se ressent un petit peu quand même. Ouais, il y a quelque chose qui me fait dire que il commence à avoir un peu de mal. Il est pas bien optimisé. Il me reste encore trois trucs à choper. Mais par contre, c'est long. Hop, un petit peu de doigté et de dextérité. Et normalement, si je prends ça là-haut, je vais me prendre la torpille. Hop là, et normalement, tout là-bas, c'est terminé. J'espère que vous appréciez le jeu vidéo gaming. Oula. Alors. Éliminez les. D'accord. Wow. Vous ne pouvez pas tuer les requins quand ils sont complètement sous l'eau. Mais comment je fais du coup moi? Au secours. Et j'ai pris un dégât. D'accord, je comprends mieux. Ouais. Ouah, ça a l'air d'être compliqué cette histoire. Donc faut les choper quand ils sont sous l'eau, enfin en dehors de l'eau. C'est un peu bizarre. Enfin, putain, il faut être rapide dans leur jeu là. Ok, bon, stop. Le jeu est simple. Il est sympa, mais non. Abandonner. Hop. La guerre. Allez, la guerre. Oula, c'est. D'accord. Ok, alors. Oui, mais il faut que j'achète. Ah, il faut que j'achète, ok. Bah, je. Non. Bah, écoutez, le jeu est sympa, mais pas plus. Désolé. Au revoir, le jeu. Battle Mech, un excellent jeu d'action s'inscrivant dans la longue tradition des jeux de shoot de début de souris inspiré par le manga. Le manga. Presque homonyme. Vous voudrez quoi? What? C'est du mecha, c'est du mecha fight, c'est ça? Ok. Oh.
Mégabit. Oh. Ok. Ok, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Password, pause player. Oh la vache, les musiques. Comment on joue? Ah bah oui, évidemment. Alors. Ok, tourner, mousse. Ok, ça a l'air d'être un jeu relativement simple. Changer pour un. Ok. Let's go. Bah, on commence. Alors. Il y a de l'histoire. J'ai la flemme de lire. Alors, mission, objectif 1. Nos données, satellite, l'impact est localisé. Votre objectif de localiser et d'inspecter le lieu de l'impact, objectif numéro 2. Une fois que ça a été obtenu, allez sur le site de la nav bêta. Gravité 1 sur 1, surface, Andronia. Satellite info de la zone d'impact. Ouh, ok. Alors. Comment? Ah je me déplace comme. Alors comment je. Allez je. Ok. Ah et là il y a du. Ouais. Et là il y a du sable. Ok. Et je tourne. Je peux accélérer. Ah. Ok. D'accord. Ah ouais, alors par contre, il y a une grande fenêtre pour... Ah, ennemi détecté. Ah oui. Alors attends, on m'a dit que sur N, je peux... Ah, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, alors par contre, je suis bloqué. Non, c'est... Ouais, ouais. L'impact a été inspecté, d'accord. Par contre, le son, lui, il est pas inspecté du tout. Le son, il est un petit peu débile. Ah. Allez, le jeu, il souffre. Ouais. Oula. Ah, le jeu, il souffre. Ouais. Ouah, le jeu vient de souffrir. Et ouais, je peux pas faire grand-chose. Eh ben, écoutez, bah, ça pète les oreilles, du coup, moi, je vais m'arrêter là. Hein, c'est dommage, mais non, il y a quelque chose pourtant. Il y a quelque chose. Bon, on va arrêter le massacre. Battlefield 1942, d'accord. Donc, quand même, il y a au moins un jeu de qualité. De toute façon, on l'a vu dans les fichiers du CD. Qu'est-ce qu'ils nous disent? À l'attaque, ce grand jeu d'action vous permettra de piloter tous les types de véhicules terrestres, navals et aériens. Qu'un champ de bataille peut compter ce Doom-like history. Attendez, c'est sorti quand Battlefield 1942 là? Parce que c'était déjà. Il n'y a pas déjà le terme de FPS à l'époque où on utilisait encore le terme de Doom-like? J'ai un doute. J'ai un énorme doute là. Ce Doom-like historique est doté d'une bonne dose d'action dans un univers guerrier haut en couleur. Cette démo multijoueur vous en donne un vaste aperçu. Eh ben, let's go! Surtout, je l'ai jamais joué à 1942 alors que je l'ai en vrai dans une boîte, sur un CD, mais que je l'ai jamais lancé. La honte. Oh! Ok, ça marche. EA Games. DICE. 2002, ah oui! D'accord. En 2002, il y avait d'autres. Oh. Oh. Alors, le jeu, ça a l'air de plutôt bien tourner. Ok. Nouveau. Ok, alors attendez, j'ai pas de son. J'ai pas de musique. Oh, si je peux changer un petit peu la vidéo là, par contre, ce serait bien. Ah oui. Alors attention, je teste des trucs. Hein. Je sais pas si ça marche, j'ai très peur. Tac, 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 texture, qualité, ouais, 100%, on va dire, mets-toi 100%, je m'en fiche. Save. Ok, je sais pas si ça a changé. Le son, je n'ai pas de musique.
Au secours, bah, tout est à fond. Très bien. Et ouais. Save, et puis on va aller dans le single player. Et. Ah, t'es sérieux? Oh. Oh, la bande de salauds. Attendez, attendez, attendez. Tac, tac, tac. Pas de password. On va mettre un espace. Attendez, vous êtes en train de me dire que là. Ah, bah. Ah, voilà. Vous êtes en train de me dire que là, le seul truc de gratos dans votre Battlefield 1942, c'est le multijoueur? Ok, bon, alors qu'on soit, qu'on soit. Ah, on peut choisir les classes, ok. Tiens, scout. Voilà, tiens. Donne. Alors, comment ça marche? Please select nous. Oui, alors. Attendez, parce que j'essaie de. J'essaie de comprendre comment on joue. Ok, alors c'est pas ça. Ah, d'accord, alors. Ah, d'accord, là j'étais en train de parler. Ok. Ah, faut que je sélectionne un truc de spawn, ok. Ok, alors. Ouais. Je peux sélectionner plusieurs armes, très bien. Je. Ok. Ah, oula. Oula, réticule. Ok. Très bien. Alors, moi, je suis là, je me déplace là-bas. Je vais quand même essayer de faire une game. Histoire de voir ce que ça a donné, au final. Alors, tac. Je suis vraiment tout seul. Bon, je peux marcher, je peux d'accord. Ok, un petit saut. Là, dans les bâtiments, il n'y a pas des armes, il n'y a pas des armes. Est-ce que je peux conduire des véhicules? La grande question. Genre, non. Oh. Oh ouais. Ah, ça va être drôle. Et j'appuie sur E pour sortir. Ok. Ok. Et je vois. Non, ça a l'air très complet. Putain, mais 1942 au final. Bon, là, c'est dommage. C'est la version multijoueur un peu nulle. Mais s'ils avaient mis au moins une mission. Ou. Allez, même deux. Deux missions du jeu. Je pense que t'aurais rentabilisé ton CD à fond. Ça a l'air vraiment complet. Ça a l'air incroyable. J'ai envie d'en avoir un peu plus. Très clairement, j'ai envie d'en avoir un peu plus. Mais là, est-ce que j'ai une map? Comment je sais? Ah, la carte c'est F5. Non. Non. Comment j'ai ma carte, moi? Ah, bah c'était pas la touche échappe. C'était pas la touche échappe. Mais en vrai, ça avait l'air pas mal. Ça avait l'air vraiment pas mal, c'est juste. Pas le mode multijoueur qu'il fallait mettre. Alors, Battleman inspiré de Bomberman comme pas que comme de, inspiré de Bomberman comme de Pac-Man. D'accord. Ce jeu de tank ne manque pas de charme graphiquement, on a vu mieux, mais la jouabilité est excellente à essayer. Eh bah, essayons. Ok, pas mal. La musique est ok. Alors, je ne sais pas comment on joue. Au secours. Je prie pour que ce soit des commandes simples. Alors, la musique est vraiment très très cool. Mais, par contre, le jeu, il faut char... Il faut, ah, il fallait... D'accord. Alors, moi, je suis là. Ok, ça se joue comme ça. Comment je tire? Non. Ok, c'est contrôle. Contrôle pour tirer et j'avance tout doucement. Et stage 1, mes points, ma vie, des trucs et des machins. Oh, j'en ai touché un. J'en ai tué un. Ok. Ah, c'est du soin ça. Ouais. Ok.
Ok. C'est un petit peu lent. C'est un tout petit peu lent. Ouais. Ah bah oui. Et j'ai gagné. Genre comme ça. Ah non, attendez, il y en a un autre. Ah, je vais toucher la roue. Je dois... Ah d'accord, je dois en tuer plusieurs. D'accord. Et en fonction des types de tanks, ils ont plusieurs PV. Ok. Ça a l'air. Ah non. Ah. Fichtre. Dommage. C'est un peu long, on va pas se mentir. Par contre, ouais. Si ça avait été, je pense, on peut bouger à vitesse. Mais waouh. Au secours quoi. Par contre la musique. Oh, c'est quoi ça? C'est des bonus. Comment j'active les bonus? Bon bah j'ai gagné. Ok. Ok, et ça continue tout ça pendant un long moment. Très bien. Bon, on a vu le jeu. C'est sympa, mais c'est un petit peu lent. Bomber, ce très joli clone de Bomberman a le bon goût d'être jouable de 2 à 4 joueurs en local ou via le net. Bonus, bien pensé, une action trépidante, un must. Alors, est-ce que ça a marché? J'ai demandé. D'accord. Ok, je. Oula. Oh non, c'est un jeu qui joue. Oh, c'est du WSD. Oh non, c'est même pire que ça. Attendez. Ah non, c'est... Attendez. Ouh, alors c'est ESTF. Quelle est cette configuration des enfers? Comment je pose mes bombes? Alors, voilà. Ok, comment je pose mes bombes? Si c'est une touche CTRL, je rigole. C'est CTRL. Oh la vache. Ok. On va jouer comme ça, du coup. Je peux poser qu'une seule bombe à la fois parce qu'il me faut les bonus. Yes. Putain, alors mon adversaire a déjà beaucoup trop de bonus. Hein. Ah, ok. Là, je peux poser deux bombes. Ok, donc c'est littéralement un Bomberman. Oula, oula, oula. Faudrait que je le bloque. Oh, presque. Ah, dommage. Ah non, j'avais compris. Bon. Attendez, je vais au moins essayer de gagner une fois. Ah, j'ai gagné un bonus. Je sais pas trop ce que ça fait. Ouais, d'accord. Oh oui, c'est la range. Oh, c'est la range qui est devenue énorme. Hop. Alors, attendez. Ah, mais... C'est très dur. Ah, je viens de comprendre. Ok, il y a des bonus et des malus. Ok, j'ai compris maintenant. Je veux un point, s'il vous plaît. En fait, quand c'est rouge, c'est des malus. Comme, bah, t'as moins de temps. Alors là, je pense que c'est un malus pour... Oh là! Ok. Et je les active comment? Ah, c'est avec... d'accord. Ok, ça s'active avec mage. Ah, ça veut dire que je peux... Ça veut dire que je peux préparer mes bombes. Oh là. Oh non, il m'a stuck. Oh, le petit bâtard. Il m'a stuck. Bon, bah, c'est littéralement Bomberman, par contre, au secours. Hein. C'est horrible. Non, mais... Mais... Attends, pourquoi mon... Pourquoi mes touches elles sont inversées? Oh non mais ouais, c'est débile, mes touches elles sont inversées maintenant. Au secours. Parce que j'avais un malus. D'accord. Bon bah il a gagné, content, super. Bon. Pourquoi il y a... Oula, attendez. Non mais quoi? Mais quoi? Mais... T'as rien compris. Bon bah le jeu non.
Comp of Chaos, ne vous laissez pas dicter la loi par cette bande de singes décérébrés qui a décidé de prendre en otage votre paisible camping préféré. Armez-vous de votre solide carabine et préparez-vous à un shoot ultra rapide, car on ne le répétera jamais assez. Ces bestioles-là bougent très vite et risquent fort d'éviter vos balles. Patience, rapidité et précision seront vos trois qualités à développer. Ça, c'est un jeu flash par contre, il s'est lancé tout seul. Comment on joue ? Objectif of the game. Object of the game. Oula, ça sent le mauvais anglais. Vous déplacez tout. Vous avez un, deux minutes. Regarde, regarde Lina. Il se. Oh la vache. Ok. Ok. Oh là, oh là. What the f. Mais quoi? Ah mon dieu, le caca. Ah ouais, là, ok. Mais comment? Ah mais la vache, il me lance le caca. Mais c'est... Ah ouais, non mais, ok. C'est Duck Hunt, mais horrible en fait. Vous vous rendez compte que c'est... Non, c'est pas bien de faire ça. C'est... Non, c'est... Mais ça me gêne. C'est horrible. C'est. D'accord. Bah, très bien. Carillon Death Match. Alors, le concept du Death Match, duel multijoueur à mort. Infusé dans le jeu de plateforme, ça donne Carillon. Le scénario se résume au principe même du jeu. Deux créatures aux allures de diablotins s'affrontent dans une arène sertie de plateforme et que le meilleur gagne. Pour assurer le spectacle, divers bonus et armes sont à disponibilité. Les joueurs de la roquette à la mitraillette lourde, seul petit défaut. Carillon ne dispose d'aucune IA et réclame donc deux joueurs, mais avec sa splendide réalisation, ce jeu vaut bien le coup pour dégoter un pote pour une petite partie. Ben ouais, mais je suis tout seul, comment je fais? Oh, ça aussi, ça a pas l'air bien. Ok. Alors, je suis la petite boule là qui bouge. Et je dois avoir un j'ai un deuxième pote là qui joue en... En QWERTY, putain, voilà. Alors, moi je peux jouer comment? D'accord. Je peux dire fuck you. Ce qui est du coup, ce qui en fait un jeu très intéressant. Je ne peux pas sauter, je peux pas tirer. Elles sont les touches. Pourquoi j'ai pas de touches? Ah, je. Ok. D'accord. Je peux. Oui, je peux. C'était une mine. Ah, tu sens. Wow. Ok. Donc il y a des mines, il y a des trucs, des machins, et waouh. Je m'ambiance. Je vais essayer de dégommer mon pote là-bas. Parce qu'on est là pour se marrer après tout. Kikel. Je peux pas tirer en sautant et mon pote du coup il va mourir. Ok. Je suis actuellement pas très convaincu. Mais bon. J'ai marché sur une mine ? Quoi ? What the fuck? Je comprends pas trop ce qui se passe. Ah, alors on peut s'accrocher au rebord, ok. Bon, bah, ouais, d'accord. Bon, c'est pas très fun parce que je suis tout seul, mais... J'aimais quelques réserves et bien sûr de très belles phrases, bien sûr. Gros jeu. Vraiment, 20 sur 20. Charidot, guerre balistique, des tanks, des armes terrifiantes, et voilà un jeu tout simple qui vous tiendra en haleine pendant des heures. La réalisation d'un rien d'exceptionnel tout en étant affiché en 2D sur un terrain accidenté. À chaque tour, chaque humain ou ordinateur
Chacun, ok, choisit son arme et vise et tire l'objectif et bien entendu de détruire l'équipe ennemie. T'es en train de me résumer un jeu qui s'appelle Worms. Alors par contre, pourquoi 2000, pourquoi j'ai un 2004 ici? Qu'est-ce que c'est que cette qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, on serait pas en train de me mentir? Que là, ce CD, il est pas de 2002 mais de 2004? Actuellement, je ne sais pas. Alors, comment que ça marche? J'ai pas de son. D'accord. C'est les options, au moins, c'est ça va vite. Alors, voilà. Game. Ok, d'accord. Bon, très bien. Allez. Oh la vache. Oui. Ok, deux players. 500 rounds MDR, non, 5 rounds. Et puis, let's go. Oh. Ok. Je vais appeler, voilà. Human. Ok. Choisissez un personnage. Oh. Très bien, très bien, très bien. Ok, ça c'est les stats. Ok, très bien. Je vais prendre ça, tiens, je vais prendre lui. Elle. Et le setup sera donc le computer qui va s'appeler. Voilà. Et il va prendre. Elle. Voilà. Alors, weapons. Oula, il y a de la stratégie. Weapons, défense, spéciale. Oh la vache. Alors, attends. On va prendre. J'ai combien? J'ai 45 000 balles. J'ai déjà acheté des trucs au secours. Je peux pas clear. Merde. Bon bah je vais prendre ça, je vais prendre ça. Je vais prendre un shield. Je vais prendre du fuel. Ça et ça. Et puis des missiles. Voilà, je prends un peu tout et ouais. Voilà, c'est parfait. Donne. Alors, je vais prendre ce laser. Utiliser. Et ce fuel. Et le shield. Oui. Ok, c'est bon. Alors, je suis là. Comment je joue? Ok, je réduis mon angle. Et. Ah, d'accord. Ok, je. Ok. Oula. Ça tire. Oui, faut pas. Bah, ça va être. Ça va être. Voilà, ça. Ah. Bah, j'ai gagné. Bah, j'ai. D'accord, ok. C'est. Pas bien ouf, j'ai pas envie d'essayer plus malheureusement. Il y avait une idée mais non. Non, pas du tout. Chroma drone, la boule des boules. Une petite boule avance sur un circuit et tente de toucher le maximum de autres boules réparties sur le parcours. Le parcours. Ah, le parcours. Le parcours. Oui, le parcours, bien sûr. À chaque fois, elle récupère de l'énergie et quand elle est chargée au maximum, elle acquiert temporairement invulnérabilité et vitesse. Plusieurs modes de jeu et de nombreux niveaux permettent de tous d'apprécier ce jeu. Voilà, comme ça déjà, j'arrêterai de me faire chier avec le full screen et le curseur qui me pète les burnes. Donc, moi je veux gagner. Moi je veux gagner. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est beaucoup trop. Là j'aime bien. Là je suis sur un jeu qui est sympa. Ah, si je maintiens mon clic, ça tire. Ça tire à fond. Et plus j'en. Ah, la barre se remplit quand j'en élimine. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce que si je les tape aussi. Ah non, quand je les tape. C'est quand je les tape. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je les tape? Bon, bah, ok. Niveau 2. Un peu plus dur, peut-être. On va voir ce qui se passe quand je les tape toutes. Je suis curieux.
Ça se trouve, il va rien se passer. Ça se trouve, je vais être déçu. Ou alors, peut-être que je vais mourir. On va voir. Ah, ah. Ah, je suis devenu tout rouge. Ok. Alors, je suis devenu tout rouge et je sais pas. Et je suis tombé. Ok. Ok, d'accord. Et eh ben, non, le jeu est vraiment sympa. Mais par contre, faut pas y jouer en plein écran. Belle surprise. CIP was damned. Putain. Damned, une équipe de recherche alien en quête de cobayes humains a capturé vos profs pour les disséquer. Mais dans leur grande distraction, les petits scientifiques verts ont laissé derrière eux un ovni de combat rutilant, réfléchissant que votre lamentable carnet de notes s'en porterait peut-être mieux. Votre sang ne fit qu'un tour aux commandes de ce vaisseau, c'est vous qui délivrerez vos profs aux quatre coins de la galaxie. Fayo, qu'est-ce que c'est que cette description? Ok, alors... Je ne comprends pas pourquoi un si grand carré et une toute petite zone de jeu. Aucune idée. Alors, CIP Teacher Captured by Aliens. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, utilisez. Ah voilà, utilisez la souris pour diriger votre vaisseau. Gauche et droite. Et ouvrez le feu avec le bouton de la souris. Et bah, let's go. Oh la vache, vous devez secourir Bouart, c'est le premier des... Oh, il y a une petite histoire, j'ai la flemme, allez, lunch. Wow, 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 wow. Au secours. Ok. D'accord. Alors, je sais pas. Je sais pas trop là. Je suis décontenancé par tout ce que je vois, par tout ce qui se. Ah bah j'ai perdu. Bah dommage. Bah salut. Cluster Ball, voilà, ras du sol. Voilà un très très beau freeware de Razmoth comme on n'en a jamais vu. Dans Cluster Ball, vous traversez des paysages somptueux, le gameplay est de qualité et les graphismes dignes des concurrents payants. Visitez le site de l'auteur, profitez de nombreux goodies à la disponibilité. Miss, à la disponibilité de tous. Par une véritable communauté initiée autour de ce jeu. Installé de toute urgence sur votre disque dur. Ok. Ah mince, 3D gem error. Ah, mémoire insuffisante. Putain, mais 16 gigas de mémoire ne sont pas suffisants pour faire tourner ce jeu qui nécessite Windows 95 ou 98. Putain. Ah. Venez sur Twitch pour me permettre d'avoir plus de mémoire et surtout plus de trucs. Je passe beaucoup de temps sur Twitch. C'était l'instant promo. Color Attack, vous pilotez un vaisseau spatial avant duquel vous devez détruire des objets colorés. Au passage, collectionnez les sphères grises pour pouvoir afin d'acquérir des armes plus puissantes, des vies supplémentaires et tout un tas d'autres avantages. Oui. Alors, you control the spaceship destroy. Alors, left to right, ok. Up down space. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, très bien, très bien. Ok. Oh. Oh. Oh, on peut jouer au joystick. New game. Facile. Ok. Oh. Détruire au moins 20 balles. Plus que vous pouvez. Plus que vous pouvez. Ok. Ok. Okay. Alors. Les petites musiques comme ça, j'aime bien. Ok, d'accord. Oh! Ok. Ah, je ne peux pas. Ah, je peux pas monter plus haut que les petites. Ah, je me suis. Ah, d'accord. Chaque balle, ça fait un truc. Ok. Ok. Je peux sélectionner mon arme. Ah, j'ai qu'une arme pour le moment. D'accord.
Ok, d'accord. Ah non, j'en ai raté une. Ah, faut pas que je détruise les améliorations. Ok. Ah bah non. Ok, non mais je comprends un peu le truc, j'aime bien. Il faut pas que je me rate parce que j'ai aussi des munitions limitées. C'est sympa ce petit jeu comme ça. Ah non. Ah, un petit peu de vie. J'en ai raté 9. Aïe aïe aïe. C'est un peu nul. Et il faut que j'ai... Non, ah, aïe. Ah, aïe aïe aïe. C'est pas ouf ce qui se passe actuellement. Ah, d'accord. Ce bonus là me permet d'avoir une plus grande échelle. Enfin, d'aller plus haut surtout. Attends, je récupère la vie. Tac. Ok, ça, chaque balle en fait suit un chemin à peu près défini. Ça, je l'ai compris. Cette petite basse là, très cool. Alors je comprends pas ce que je dois faire là. Ah, j'ai raté un peu, j'ai raté. Ah bah j'ai gagné. Ok. Un peu compliqué, c'est pas mal. Bon, je pense que on va s'arrêter là. Mais le jeu est très cool. Ça manque un tout petit peu. Bon, la vitesse, elle doit être moyen, mais bon. Ok. Oh. Allez. Ah, oula, oui. Oh, oui. Oh, alors là, ça me plaît mieux. Hop, un peu plus haut. Hop là. Oula. Alors là, par contre, on est sur un chemin de balles qui est un petit peu particulier. C'est un petit peu de merdier, mais pas mal. C'est un peu plus dur. J'aime mieux. Ach. Ah, je... Non, là, je... Ouais, je vais peut-être perdre. Ok. Eh ben, stop. Non, le jeu est sympa. Le jeu est vraiment très, très cool. C'est un peu dommage que ce soit dans une fenêtre aussi petite. Il y a quelques petites améliorations à faire. Mais le jeu aurait eu beaucoup de potentiel à l'époque. Comic Wrestling Federation. Toute la délicatesse et le raffinement du catch en un freeware. Au lieu d'échanger des souvenirs autour d'un thé, les deux protagonistes de ce jeu préfèrent échanger low kick et point dans la figure sur un ring. Évidemment, c'est plus viril. Dans un style très cartoonesque, ce jeu s'en tire plutôt bien, mais requiert toutefois deux joueurs. Un peu contraignant, mais bien plus amusant. Donc la bagarre, le catch, un domaine que je connais un petit peu. C'est un truc de 99 au secours. Alors, option. Un player. Oh, on peut jouer à la manette. Waouh. On va voir les... Oh la vache. Alors, Wrestle One. WSD. Yes, pas du tout. Alors, lock. Je pourrais utiliser le kick. Donc, WSD et GH. Et l'autre, il joue avec... Avec les flèches et shift control. Ok, donc ouais, c'est vraiment deux sur un clavier. C'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque. Très bien. Bon bah, on va essayer. Hi folks, my name is Heiko. This is my boy Patrick. Hi there. We want to welcome you to Comic Wrestling Federation. Tonight matchup: Big Bad Bully Spencer and the Mad Lawyer. Enjoy the show. Il n'y a aucune intensité, les gars. Aucune intensité. Big Bad Spencer, 42 ans, ça catch frais. D'accord, j'ai pas le temps. Même pas le temps de tout lire. 32 ans, et il n'y a rien pour lequel je ne veux rien faire. Et le Terror Twister, c'est son finish. Ladies and gentlemen, welcome to this fight. And here are the two opponents. Man. Big Bad Spencer!
C'est moi ou il fait des fucks? Thank you, Daniel. Oh, Heiko, let's go to the slide. We are sponsored from Smackata. Ok, il y a un commentateur. Alors, oh la vache, oh la vache. Alors, oh, ok, le coup de pied et le coup de poing, d'accord. Et on peut spammer. Alors, et lorsqu'on est proche, on fait droite, gauche, droite, gauche. Ok. I think that was bad, wasn't it? Ok. Yeah, Patrick, you just have the definition of pain. Ouh, le coup dans les couilles. Damn, that must be aching. Ah, il y a différentes animations quand on est au corps à corps, quand on fait des chocs. Il y a une souplesse, un low blow et bah le coup dans la figure. Voilà, bah fini. Et après. Ok. Ah, faut que je le couvre peut-être. Non. Je peux faire quoi? J'ai gagné? Je sais pas, si. Je crois que j'ai gagné. Bah, ok. Bon, bah, gros jeu. Crystal Keeper, vous tirez sur des hordes de monstres de toutes sortes, mais attention, ces derniers tenteront de vous dérober vos précieux cristaux magiques. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On a déjà un jeu qui se joue pas très bien, donc il faut que je fasse très attention à ma souris. Option, sound game, level, ouais, machin. Voilà, c'est bien. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est très bien. Falloir que je trouve. C'est vrai que c'est très compliqué pour moi quand c'est. Ah, d'accord, attendez, je vais bouger. Non, mais. Non, je vais me faire voir, ok. Option. Je peux pas changer. Ok. Et, ah la vache, vous savez que c'est compliqué pour moi. Donc j'ai essayé de faire attention. Allez, new game. J'avance comment? Au secours. Comment j'avance? Pas. Ok, mais écoute. Ah mais oh la vache, il faut. D'accord. Mais c'est horrible. Je suis obligé de tourner comme ça pendant 1000 ans. Oui, bah c'est normal, mais c'est chiant, dommage. C'est dommage, on s'emmerde, y'a pas de musique. Defense of the Squidman, Squiggler Q. C'est un Q ça. Squidman vivait tranquillement avec sa femme Judith et ses 37 enfants, les Squiggler, lorsque les pirates de l'espace sont arrivés dans son coin de la galaxie. La paix de sa petite famille étant menacée, Squiggler a décidé de régler leur compte aux pirates. Parviendrez-vous à vous en sortir vivant? Vous le devez, ne serait-ce que pour Judith, qui n'aurait pas assez de tentacules pour éponger ses pleurs si vous deviez passer. J'adore les descriptions. De jeux de démo, ça me fume. Ok, très bien. Ça a un petit peu pété mon oreille, mais c'est pas grave. Alors, comment qu'on joue à... Ben, on saura pas. Alors, ok. Défense du Squidman, la story, sauveur, instruction. Instruction. Alors, dans défense, contrôler le caractère de Squidman, move, alors, up, down, left, right, d'accord, ok, Z ou entrée pour la difficulté, et pour plus de force, il y a Z, ah, ok, ensuite, require force field, living score, blablabla, note de téléporteur, bon, après, je m'en fiche, hein. Oui, niveau 1,
Niveau 2, niveau 3, putain, il y a 3 niveaux. L'histoire, on a de l'histoire, genre. Ah ouais, ils se sont turbo fait chier. Waouh. Non mais... Non mais il en faut, hein. Il en faut, il en faut, il en faut. Allez, let's go. Le jeu. Alors. Oula. 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 Ah, quoi? Je suis où? Putain, d'accord, je sais pas où j'étais. Ah, c'est bon. Oh, waouh, ça va si vite. Et par contre, faut que je tire. Waouh, waouh, je comprends absolument rien de ce qui se passe. Et j'ai perdu. Bah, super. Bah, je pense que c'était le meilleur jeu, mais. Bien sûr, il fallait au moins cette musique, la fameuse Toccata que l'on retrouve dans beaucoup trop de jeux vidéo. Allons, vas-y, la suite. Delta Force Black Hawk Down. Ouh, ça me dit un truc ça, Black Delta Force. Démo multijoueur. Oh non, ils vont nous mettre la même douille qu'avec Battlefield. Delta Force revient en force MDR avec cette nouvelle mouture, nouveau moteur et intelligence artificielle. Revue à la hausse, jugez-en pour vous-même par cette démo multijoueur en type deathmatch incluant le map comprenant des échos, lance-roquettes et autres gâteries. Moi je pense surtout que c'est une arnaque. Ok, et je le savais que c'était la douille. Je le savais que c'était la même douille qu'avec Battlefield 1942. Je ne comprends pas, ça c'est un vrai truc, je ne comprends pas pourquoi dans les démos de ce genre, on te met en truc gratos le multijoueur. T'aurais mis une mission, une seule mission, je pense que t'aurais donné envie à tout le monde. Mais non, tu mets le multijoueur. Alors oui, on va, oui, vas-y, je vais hoster la game. On va jouer comme ça, max player, on va mettre on va se mettre à 2. Voilà, 2 time limit, on va se mettre à. Non, attends, on va pas se mettre à. Ouais, on va se mettre à 5 minutes. Allez. 5 minutes, c'est pas mal. Score limite, on va se mettre à genre 10. Ou même 2 points. 3 points, 3 points. Allez. Et voilà, puis on va apprendre à jouer. Game. Team. Friendly Fire. Oui, 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 oui. Je peux pas hoster. Je peux pas hoster. Je peux pas hoster. Attends, quoi? Attendez, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ah, il faut que je choisisse ma map, d'accord, ok. Bah, let's go. Ah, mince. Oh. Une erreur inconnue. Oh, bah non. Oh. Quel dommage. Dommage. Bah, tant pis le jeu. Contrairement à Battlefield, Black Hawk, et bah, même pas, il va charger la map. Je suis déçu. Dino and Bubble. Est-ce que vous avez pas les droits pour dire Puzzle Bubble par hasard? Hein, c'est juste ouais, c'est moi, je pose une question. Voilà un jeu bien sympathique. Dino et Bubble, les deux inséparables, partent pour une quête aventureuse, celle du feu, des heures de jeu en perspective. Ok. Dino et Bubble. Alors, attendez. Obtiens des. Je sens. Quoi? Joue. Gameplay. Sans le sang et la violence pour toute la famille. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Combat de nouvelles créatures. Pas de nags, pas de limitations. Mais what? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça des. Je comprends pas. Ah vas-y, je vais prendre. Oh, je vais prendre lui là. Ah merde. Bon bah lui là. Ok. C'est complètement puzzle bubble. Ok, c'est... Oh, putain les mecs c'est chaud. Et là genre. Non mais les mecs c'est chaud. Il y a un moment c'est chaud. Il y a un moment c'est chaud les gars, puzzle bubble. Hein. Moi j'appelle Nintendo. Hein. Je m'en fiche, j'appelle Nintendo, je leur dis écoutez les mecs, c'est la Hesse. C'est Puzzle Bubble. Je pense que les gens. Non mais. Ok,
qu'est-ce qui s'est passé dans... Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Moi, bon, je peux pas faire mieux que de vous dire Puzzle Bobble. Qu'est-ce qui s'est passé dans le service marketing? Ils se sont dit, eh, mais tu peux traverser les murs? Je sais pas, il y a le marketing là. Le marketing, ils ont fait n'importe quoi. Oh, il y a un. J'ai chopé un. C'est méga chaud, les gars. Ah, il y a une bulle là-bas. Il y a un bonus. Faut que je détruise toutes mes bulles. Et c'est long. Oh la vache, c'est si long à chaque fois par contre. Oh, oh, les ennemis peuvent... Ok, bah j'ai perdu. Ah non, il me reste une nuit. Ouais, bah c'est Puzzle Bobble, oui. Je pense que j'ai en compris. Oui, je pense que j'ai compris, c'est Puzzle Bobble, mais ça s'appelle Dino et Bubble. Voilà. Ceci est bien sûr une petite dédicace à une personne sympathique. Qui se reconnaîtra sûrement. Et ben, incroyable jeu, pas du tout inspiré d'un jeu de Nintendo. Nintendo, hein, ouais, la protection des droits, hein. Bon, ça c'est marrant par contre. Mais non, plus jamais ça. Drift Zone, astéroïde vectoriel. Oula, attention les mots. Hein. Attention les mots. Difficile cette version d'astéroïde, mais tellement belle. Le graphisme est superbe, tout en 3D avec des effets de lumière très réussis. Il faut des réflexes bien aiguisés pour survivre et progresser dans ce jeu. Loin d'être limité à un écran, vous vous déplacez sur une large zone décorée de planètes nébuleuses. Vos tirs vous font reculer, ce qui nécessite une petite phase de prise en main. Alors, ok, ça remarche, ça fait 3 fois que je relance parce que je comprends rien. Créer une partie, ok, F2. Alors, jeu classique, Ship Avengers, option start. Alors, ok, ok, c'est, alors ça va un petit peu vite, très bien. J'ai gagné. Niveau 2. Wow! Putain, je suis con. Ok, ça va un peu trop vite. Mais c'est littéralement astéroïde en fait. C'était astéroïde. Très bien. Extermination! Un jeu qui séduira les amateurs de shoot à tout va. Les terroristes ont pris d'assaut votre villa pour tenter de récupérer les plans d'une arme nucléaire que vous avez en votre possession. Ce scénario ne marche absolument pas. Des ennemis surgissent d'un peu partout pour vous flinguer quand ils ne vous envoient pas des bombes. Maintenant, maniaque de la gâchette, attention, il faut être rapide et précis. Sylvain Sekia présente Extermination. Ok, très bien. Quel basse. Oh, ok. Par contre, oui, je... Alors, je... Oh shit. Information. What the fuck? L'auteur. Bon bah, je vais être obligé de flouter parce que ça se trouve, c'est un vrai numéro, ça. Pour tirer, clic gauche. Pour charger, clic droit. Pour quitter. Ah, d'accord, ok, donc c'est juste à la souris. Très bien, allez go, jouez. Vous êtes attaqué chez vous par des terroristes qui veulent s'emparer de votre plan secret qui permet de fabriquer une arme nucléaire. Mission 1, en vrai je vais pas être méchant, on dirait un petit projet d'un... Oula. Comment? Ok, ça... Ah!
Je vais pas dire que c'est moyen, mais bof quoi. Vous savez quoi si je me prends une balle? Ok, ça fait... Vas-y, tire-moi dessus. Ah oui, le ça va. Ok. Et si je meurs, il se passe quoi? Ok. Alors, vous êtes mort. Oui, sans deck. Sans deck! Tu peux rater avec tes yeux maintenant. Ok, alors. Est-ce que c'est un projet étudiant ou un premier jeu? Parce que ça fait un peu flipper les gars. Waouh. Ça fait un peu flipper mec. Je suis navré de te le dire. Gunner de feu à volonté. La seconde guerre mondiale fait rage dans le Pacifique. Pearl Harbor a décimé la flotte alliée et le moral est au plus bas. Mais vu depuis votre canon de DCA, la guerre ressemble plutôt à une grande kermesse avec tir aux pigeons à volonté. Posté sur un croiseur allié ou dans la bulle d'un bombardier B-27, c'est un peu précis. Votre unique mission consistera à descendre du kamikaze, le tout dans un environnement 3D extrêmement crédible, surtout lorsque les avions ennemis fondent vers vous en rasmote et explosent un peu plus loin dans un déluge de feu de métal. Bref, si on a vu scénario plus consistant, côté action en revanche, on est servi. Ok, Gunner 2 Limited Fearing, d'accord, bah new game. Skill level novice. Ouais, novice. Épisode 1. Voilà. Alors, mission. Protéger les bateaux, les ennemis, blablabla. Ok. Ok, ça se joue à la souris. Oula, oula. Ok. Ok, et c'est juste ça qu'il faut faire. Ok, lui il est en feu, boum. Et lui il est en feu, boum. Ah, alerte intrusion, oula. Comment ça mon score, il descend, mais au secours. Je suis nul ou comment ça se passe? Il est où l'intru... Il y a pas de... Il y en a un autre? Là-bas. Ok, bon bah lui c'était rapide. Et lui aussi. C'est fini? Non? Oui? Non? Je pense que... Ok. Bon, si c'est juste ça, c'est... Je peux perdre des points... Ah mais non, mais tirer ça me coûte des points, d'accord. Ok. Et c'est tout ce qui se passe. Ok, bah c'est... Ok, bah très bien. Bon bah gros jeu. Hein. Ah. Ah, là il y en a un autre. Bon bah ok. Ennemi attaque neutralisé, c'est fini. Ok. Ok, c'était la mission. Et ben... Ouais, sympa, mais si c'est que ça, sans musique, pas ouf. Dommage. Ah non, 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 pas de mission 2, non, pas de mission 2, non, mais je m'en fiche, hein, pas de mission 2, salut. Hoover Wars 2, opposant deux joueurs humains, pas de dia disponible, ce deathmatch s'aspire largement d'astéroïdes encore. Une fois maîtrisé l'inertie des vaisseaux, un jeu de shoot amusant. Ok, ouh là là, ça sent le jeu russe, ça sent le jeu russe, j'en connais des jeux russes et c'est pas très bien. Hoover Wars 2. Alors, new game. Alors, non, instruction déjà. Alors, goes down the running. Oh, d'accord. Player, utiliser les flèches. Ok, très bien. MN pour changer le weapon. Ok, new game. Avec des cailloux. Ok. Ok, ça fait piou piou. Et je vais pas avancer. Et il y a un moment... Wow. Ah ok. Ok. Et je dois casser les cailloux. Ou comment ça se passe? Ah ouais, j'ai la vélocité aussi, donc c'est ma vitesse. Et je me fais piou piou et
D'accord, et je peux changer d'arme. Alors que, bon, essayons de découvrir les spécificités de ce jeu un peu bizarre. Pas moyen de changer, on fait que des piou-piou. Ok, bah c'est pas ouf, c'est un peu nul même, donc non, salut le jeu. Impact Disaster, un remake très sympathique du vieux standard astéroïde. Une pluie de météorites menace la Terre et l'on vous a chargé de la sauver. Aux commandes de votre vaisseau, détruisez une à une les météorites pour passer au niveau suivant. Joli, simple et efficace. Waouh, ok. Alors, où est ma souris? J'ai pas droit à la souris. Alors, configurer, non. Plier, oui, je veux jouer. New game. Ou comment on joue? Alors, ok, avancer, reculer, contrôle, changer, et ok, donc ça devrait bien se passer. Ah, je n'ai... On dirait que le Autosperse n'a rien à voir, n'a rien pour nous en stock cette nuit. Oui, vous avez raison, je pense que nous devrions fermer ça et rentrer chez nous. Ok, alors, c'est mauvais, très mauvais. Mais que se passe-t-il? Je pense que vous devriez regarder par vous-même. Oh oui, c'est très mauvais. Est-ce que c'est ce que je pense que c'est? Oui, et des astéroïdes, et beaucoup. Ils viennent droit vers nous. Ils vont détruire la Terre, nous allons tous mourir. Il apparaît que ça peut être cela, n'est-ce pas? Oh, tant pis, nous avons juste à appeler le gouvernement. Laissons les militaires s'en charger. Ils ont des vaisseaux spatiaux qu'ils peuvent envoyer là-bas pour briser les astéroïdes. Ah oui, d'accord. Ok, alors. Oh! Ok. Oh putain, alors. Oh, wow. Ah oui, ah bah je suis... Non mais je suis où? Alors, au secours, je... Ah mais je suis où? Ah non mais c'est... Alors, oh là, non mais par contre, au secours. Ah bah c'est... Pas facile du tout. Ah non mais c'est même littéralement presque impossible en fait, messieurs. Ah, ça c'était une bombe. Waouh. Et je peux même faire une marche, des marches arrière. Ah bah j'ai fini, ok. Et puis... Allez, je peux faire tout le jeu sans bouger en fait. Hein. Quasiment. Alors, j'ai qu'une seule arme, il paraît que c'est... Ah. Et là, je change d'arme et je... Ah, je n'ai pas d'arme, ok. Je n'ai pas d'arme numéro 2. Décevant. Tristesse. Donc c'est juste ça, c'est un petit peu long et énervant. Y a pas quelque chose qui se passe au bout d'un moment? Ok. Ah, attendez. Ok, non, y a donc une histoire. Super, mais il y en a beaucoup d'ici, même pas mal. Je pense que nous devrions envoyer plusieurs vaisseaux spatiaux à la maison et prendre le temps de nous débarrasser de ces rochers. Ah oui, c'est un plan qui me plaît, faisons ça. La Terre. Oh bah attendez, si je peux faire tout le jeu. Par contre, on va pas se mentir. On ne va pas se mentir, c'est... L'image qui change. Oh! Oh, attendez. Attendez, il se passe un truc. Oh! Cool. Très très cool. Bon bah au moins j'ai vu ce que ça faisait, l'arme numéro 2. Bah je vais finir le jeu dans mon coin en fait. Island Wars, voilà un jeu comme on les aime. L'objectif qui est de descendre son adversaire au beau milieu du Pacifique n'a pourtant rien d'original, mais une réalisation soignée et la possibilité de prendre au choix le rôle du canon ou celui de l'avion bombardier confère à ce jeu un aspect très jubilatoire. On a vraiment envie d'enchaîner les parties et de défier indéfiniment son adversaire. Une réussite. Eh, hey, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça.
On va faire comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Et puis, go. Alors, moi je suis le joueur droit et je suis là. Ok. Ah, je tire. Ok, je tire avec. Ok, ouh. Ok, oula, 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 oula. Eh, c'est dur. Bon bah j'ai gagné et maintenant je joue l'avion. Alors l'avion, ok, ok, ok. Et j'ai perdu déjà, c'est allé si vite. Ah par contre c'est long. Oh que c'est long. Ouah c'est long. D'accord. Ah avion contre avion, oh. Ah oui d'accord. Mais au secours. Ah mais faut appuyer comme un débile. Je suis où? Je suis là. Ouah faut appuyer comme un débile. Ah puis c'est long. Ah c'est long le crash. Ok. Ah et là je retourne au canon. Par contre l'IA elle est vénère en fait. Ah, l'IA, elle... ouais. Et j'ai fini. Ah, d'accord. Ok. Et écran noir. Et... ah! Bah, yes. Bah, tant pis, le jeu. Yes. C'est marrant, ça. Jack Strips 2 Saturne. Que c'est loin, Saturne. C'est vrai. Pour une fois, votre vaisseau spatial n'a pour fonction d'éliminer des armes d'aliens. Vous devez juste parvenir à Saturne, mais le chemin n'est pas pour autant de tout repos. Les astéroïdes étant particulièrement nombreux cette année, en les frôlant, vous récupérez les points de style et divers bonus vous accélèrent ou améliorent votre pilotage. Un très bon jeu, aussi original que bien réalisé. Ok. Oh. Oh, petite musique là. Alors, contrôle ou joystick? Contrôle. Option. Ah oui, toi. Alors, difficulté, non. Mental, non. Easy. Ouais, ouais, ouais. Et ben, go. Oh, attendez, the prologue. Oh. Space station floats through space looking for planets to destroy. Earth Space Agency agents spy on the base station, intercepting the transmission. C'est long, c'est très très long. Allez, go. Ok, let's go. Alors, à gauche. Ok, à gauche, ça doit être les différents niveaux. Il y a mon score. Comment je... bah, comment je... je tire comment? Attendez, je... ah oui, non, je dois juste frôler. Try to get as many star points as you can. Ouh. Ouah, c'est... ok, thanks, Kinkin. Ah. Là, tu... les points. Les points. Ah, c'est les points de style. Oui, c'est vrai. Je dois juste pas tirer et avancer. Tout simplement.
Aïe, 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 aïe. Tant pis. Oh, un lingot. Ah oui, mais c'est un peu dur en fait cette histoire. C'est très chill, très coolos, j'aime bien. Ah, oh mon dieu. Oh. Ok, j'ai ramassé deux clés. Try to use a slow asteroid to get the star points. Ah. Remember, you get them using all sides of your ship. Roger that, Commander. Ah, en fait, plus je fais un combo de style, et plus les clés elles arrivent. Ok. D'accord. Intéressant. Max. En 1953, 87% de la population a été infectée par un virus qui a plongé dans la dégénérescence. Ce virus a été introduit par des aliens qui espèrent ainsi prendre possession de notre planète. Il ne reste qu'un seul rempart à l'humanité, Max the Giant Robot, d'une taille d'environ 30 mètres. Vous allez pouvoir, dans cette démo, vous régaler avec ce clone des jeux de type MechWarrior. Néanmoins, une configuration relativement puissante est indispensable pour en apprécier la jouabilité. Alors, c'est un robot. Oui, mais il n'y a pas de son. Alors, comment on joue ? Votre mission, détruire tous les ennemis, objectif, blablabla, ok. Ok, environnement, désert rocailleux, objectif rang 14, alien dreadnought, ok. Objectif 2, 95, armourée d'angure, machin, rang 30, satellite, ok. Ouais. Objectif 4, rang 35. Ok, ouais. Ça tourne beaucoup. Objectif 4 aussi. Waouh. Alors, ok. Ok. Comment j'avance? Oh non. Ah. Ah. Ok. Je peux pas. Ouh. Oh, je cours. Waouh. Alors, je cours. Ah, je peux tirer des missiles. D'accord, et la map elle avance bizarrement. Moi je tue des ennemis en fait. Ah, là des ennemis! Non, non, c'est des arbres. Là des ennemis! Ok, j'ai tué des ennemis. S'il n'y a pas de musique, c'est... Oula, 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 il y en a plein. Ouais, vas-y, je casse tout. Je casse tout, j'en ai un à faire. Là. Oh, vas-y, c'est trop bien, c'est marrant. Ok. Ok. Ouais, bah c'est... Alors... Oh. Je peux pas regarder au-dessus de moi. C'est un peu mou. Y a pas de musique. Je m'ennuie. Meteor Storm, un jeu graphiquement très beau où vous devrez éviter des astéroïdes qui se divisent en deux plus petits à chaque fois que vous leur tirez dessus. Ok. Ouh. Ouh, j'aime bien. Comment on joue? Alors, feu avec espace, Z et gauche-droite. Ok. Let's go. Neutral zone open. Ok.
Oh, ok. Ah, il faut tirer comme ça, ok. D'accord, ouais, on a droit qu'à des jeux de... Ah non... j'étais caché, d'accord. Ok, ouah, ça va être si long et nul. Mais je suis où? Ok, bah super, bah gros jeu, hein. Très gros jeu, au revoir. Millennium Digger, pas très bien fané, c'est récolter toutes les... Millennium Digger, pas très bien famé ces mines. Récolter tous les diamants n'est pas déjà évident. Diverses choses vous tombent inexorablement sur la tête, mais avec tous les monstres qui vous courent ou vous tirent dessus, cela devient carrément difficile. Un remake superbement creusé du vieux Digger qui vous donnera du fil à retordre. Ok. Très bien. Alors, comment ça marche? Ok, d'accord. Ok, bon, bah, pas plus, hein. Weak monsters, common monsters, strong monsters, des sacs, des bonus, des machins, des trucs et des bidules. Ok. Eh ben, let's go. Cool. En mode cool. Oh la vache. Ok, je suis là. Ah, ok, d'accord. Ah, je suis sous terre. Ok, je peux pas. Ouch. Ok. Très particulier le jeu vidéo, hein. Très très particulier, hein. Ouais, un peu dur, je comprends pas tout, hein. Moxie, pour aider Moxie à terrasser Xorg et les monstres de l'espace, vous n'avez qu'une chose à faire, traverser 50 niveaux en avalant pommes, bananes et autres denrées alimentaires, sans tomber nez à nez avec les nombreux monstres qui infestent la planète. Pour réussir, jouez de façon rapide et réfléchie, sinon terrible, Xorg risque de venir s'occuper de vous personnellement. Alors, vas-y. Allez, le jeu, impressionne-moi. Stage 1. Ok. Oh la vache. Oh, c'est moche. Oh, c'est Digger, ça, je connais. Et ça tombe. Mais ça tombe pas. Mais c'est nul. Oh, c'est pas beau. Oh, c'est moche. Oh la vache, c'est moche. Ah non, c'est pas possible là. En plus, mon personnage il est gros. Et j'ai gagné? Non? Je sais pas. Je pose la question au cas où, hein. Ça a pas l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être. Ah, il faut que je perde du poids là? Allez, fais le tour, toi. Ah là, tiens. D'accord, et maintenant, je fais quoi? D'accord, je sais pas quoi faire. Ah, je dois découvrir... Ah. D'accord. Les fleurs, c'est des objets cachés, c'est ça? Et il faut que je sois gros. Ah, je peux utiliser un boomerang. Boomerang inutile. Attends, je vais perdre. Attends, quoi?
Pourquoi? Je la sens que je vais perdre. Ah, bah j'étais pas assez gros. D'accord, donc le but c'est d'être gros. Je comprends rien, jeu, c'est nul. Au revoir. Onslaught. Tank them all. Un tank et des ennemis de toutes sortes disséminés sur une grande carte. Pas besoin de faire un dessin, il faut détruire tout le monde. Explosif. Oh. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est cool. Ah j'aime bien ça. Allez. Let's go, je connais pas les contrôles. Ok. Wow, je suis où? Il se passe quoi? Attendez, je suis où là? Il se passe quoi moi? Attendez, je contrôle qui? Ah, si, je vois. Ok, je vois où je suis. C'est bon, j'ai trouvé qui je suis. J'ai trouvé où je vais. C'est bon. Aïe. Attention. Ouah, les explosions. Je sais pas où est ma vie par contre. Ah, blaster. Ok. Ouais, mais y'en a de partout, au secours. Et je sais comment. Je veux dire, c'est tout. Ok, ah oui, donc je me fais vraiment défoncer tout le temps. Bon bah d'accord, bah trop bien le jeu. Mais c'est tout en fait. Ouais bah je crois que c'est tout. Phobia 2. Bon, que ceux qui veulent de la réflexion, de la subtilité, de la sophistication passent leur chemin. Ici on est plutôt au royaume de Terminator, ou plus exactement d'Exterminator. Le but, vous devez certainement vous en douter, est de tuer le maximum de méchants aliens baveux qui vous en veulent. Et on ne sait même pas pourquoi. Vous pourrez jouer à deux et comme d'hab, vous possédez un arsenal digne de faire rêver les Starship Troopers eux-mêmes. C'est bien saignant. Et il y en a d'ailleurs tellement du sang que pour ne pas confondre le vôtre est rouge et le leur est vert. Graou. Oui. Bah oui. Ah, lots of color most slow. Ah, direct. Hein? Oula. Mais attendez, ah je... Putain, direct dans le jeu là. Mais au secours. J'attaque comment? C'est quoi le bouton? C'est un jeu de shoot nul. Comment j'attaque? C'est quoi les boutons? J'ai pas les boutons. Ma touche, c'est retour. Mais... Non, ma touche, ça va être contrôle. Voilà. C'est débile. Cette fois, on l'a refait. Allez, on y croit cette fois. On y croit. Hein. On va y arriver à faire un jeu. Ah, ça y est. Yeah.
Et bah c'est marrant, mais bon, j'ai connu mieux quand même, hein. J'ai connu un petit peu mieux dans ma vie en termes de shoot. Je vais pas vous mentir que j'ai connu un peu mieux dans ma vie. Normalement un petit jeu, je sais pas si vous connaissez, qui s'en rapproche, Contra. Ouais, Contra c'est un peu mieux que ce truc. Ah bah oui, puis alors après, bah terminé, hein. Ouais. Bon, et ben bah, c'est... Ouais, bah d'accord. Et ben bah, ok. Hein? Ouais. Salut, hein. Mama, j'ai vu 95 trolls sous mon lit. Shrooms! Pour passer au niveau suivant, Spike, un champignon alcoolique doit siphonner toutes les bières à l'écran, un Sokoban à consommer sans modération. Ah ouais! Par contre, c'est vide comme image, les gars. Puis la bière multicolore, pas sûr. L'histoire, oh la vache. Dans un monde qui n'a rien différent de l'autre, excepté que les humains sont remplacés par les champignons, Spike est un champignon alcoolique. Et qui aime boire une branche générique de bière. En parlant du coup, Spike lance la bière à travers la salle en disant que c'est dégueulasse et il veut sa bière. Ok, merci. Jouez. What? Attendez, qu'est-ce que... J'ai besoin de plus d'énergie. What? Qu'est-ce que c'est que c'est... Pardon? Quoi? Attendez. Des cookies, ça me donne de la force. Ok. C'est un jeu de réflexion. La bière, ça me donne de la force. Et je n'ai pas assez de force, mais du coup, je peux, d'accord, faire ça. Et j'ai toutes les bières. Et j'ai gagné. Ok, donc c'est de la réflexion et d'aller dans l'eau, ça me fait perdre ma force. D'accord. Ok. Ah non. Okay. Alors j'aime beaucoup le petit côté jeu de réflexion. C'est pas la question ici, mais bon. Pourquoi un champignon qui veut boire de l'alcool? Ça, c'est la seule question que je pose. Et je ne veux pas de réponse, en fait. Think Sub, dans les eaux profondes de votre territoire, cherche à s'infiltrer des sous-marins ennemis. Aux commandes de votre croiseur de guerre, vous pouvez les arrêter. Amusant. Ouah, non, on est sur un truc de 98, au secours. Qu'est-ce que c'est? Go, vas-y. Voilà, non. Oui. Facile. D'accord, facile. Alors, comment ça marche? Ok. Je vais à droite et à gauche. Et je... Okay. Ah, comment? Comment ça marche? Ah. Comment je lance des... Comment je joue? Attendez. What the f... D'accord, je sais pas. Au secours? Comment? Les tours? Non. Attendez, il y a help. D'accord, même le how to play il marche pas. Euh...
Mais je lance pas de missile en fait. Bon bah c'est nul. Teenage Lawnmower. Pas facile de faire tourner son petit business de tombe de pelouse. Combinant action et stratégie, cette crème de freeware accroche à ne surtout pas manquer. Ok, ça commence bien. Alors option, voyons. Alors, ok, je peux sauter, je peux utiliser du pouvoir et je peux faire d'autres choses. Ok, donc jump et V. Ok. Et ben, let's go. Alors, avant de commencer, est-ce que vous êtes prêts pour un petit challenge? Non. Voilà, comme ça. Bienvenue dans la classe du milieu. Blablabla. Alors, oui, comment je joue 1. Ouh, la vache, il y a une histoire. Attendez. On frappe à votre porte. Votre mère entre dans votre chambre. Elle a des grosses cernes autour de ses yeux. Elle semble fatiguée. Elle a enfilé un uniforme de Monsieur Hamburger. Bonjour mon chéri, je voulais juste te dire bonjour avant de partir. Comment va ton nouveau business? Mon business de tonte, personne n'a encore appelé. Votre mère rit. Bienvenue champion, j'apprécie vraiment que tu essaies de trouver ce que tu veux faire et que tu veux de l'argent. Mais si personne ne veut te rencontrer, eh bien Todd peut-être nous aidera. Votre sang devient froid. Todd est votre... j'arrive pas à aller plus loin. Ah si, attends. Et l'ancien petit ami de votre mère, peut-être le pire de tous. Todd est un connard. Je ferai l'argent dont j'ai besoin. Oh, tu veux vraiment y arriver tout seul? Je vais faire quelques courses avant demain matin. Est-ce que tu peux me faire 77$? Je vais essayer, maman. Bonne journée. Vous êtes assis à dans votre chambre. Putain, il y a de l'histoire, il y a une entreprise et tout. Ça a l'air pas mal, ça, en vrai. Alors, j'attends des appels. Le téléphone sonne, vite. Bonjour, j'entends bien mon petit pote que tu ferais de la tonte aujourd'hui. Écoute, j'ai un job parfait pour toi et c'est pas du tout difficile. Je te paye 36$ et j'estime que t'en auras pour 2 heures. Ah ouais. Oh la vache, où la leçon par contre, hein, au secours. Ah, je savais que je te verrais. Le client a l'air de complain again. S'il te plaît, doucement autour de chaque tombe. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial sinon? Juste fais attention. J'ai bu quelques bières là-bas, donc il y a peut-être encore des morceaux de verre. Ok. Oh, ça a l'air trop bien. Important. La puissance en route, le game est impossible jusqu'à ce que tu apprennes cette technique. Utilise les flèches et espace pour sauter. N'oublie pas que tu peux reculer. Ok, alors j'ai pas tous les trucs malheureusement parce que c'est trop gros, mais on va essayer. Hop là, et c'est parti. Voilà, oh la vache, ok. Ah oui, il y a des... Voilà, ouais. Attendez, hop là. En douceur, autour des tombes. Hop là. Oui. Alors attends, V, ça sert à... Ah, oula, oula, vache. J'ai l'impression de drifter. Ah oui, je peux vraiment sauter. Oui. Mais j'ai fait à peine 30% du truc. Ok, j'arrive pas à savoir la condition de mon truc. Donc il faut que je fasse très attention. Il me dit d'y aller doucement autour des tombes. Ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air. J'aime bien cet aspect un petit peu. Hop là, du gaz. Attention. Ah, j'ai oublié un petit coin. Et juste là. Wow.
Ah ouais, par contre, j'ai l'impression de faire du drift. Attention. Ok. Je vais essayer d'en faire deux d'un coup, c'est possible? Ah, presque. Waouh, c'est pas trop mal. Ah, il me reste que 20 secondes. Ah, non. J'aurais pas assez de temps. J'aurais pas assez de temps, je pense. Quoique je dis ça, mais... allez, oui, j'ai fini. Bien joué, fiston. Voilà les 36 dollars comme je t'ai promis. Putain, je suis trop fort. J'ai 36 dollars et en effet, je vais. Oh, je peux sauvegarder. Oh, attendez, je vais sauvegarder. Ah bah attendez. Ok. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Non, j'arrive pas. Bon, attendez, je vais continuer de jouer, moi. Dis donc. Hello. Je t'appelle de la ville, notre budget est un petit peu serré en ce moment et on essaye de faire certaines coupures. Est-ce que tu t'irais faire un petit peu de tonte dans le parc de la ville? Ça te prendra 50 dollars et tu estimes cela à 4 heures. Ça me fait combien? Ça me fait 10, 12. Si je fais ça, il me restera et j'aurai assez. Ouais, let's go. Allez. Alors. Ah, oh, merci d'être venu. Ah, oh, c'est un sacré travail, donc j'espère que je vais pas te mettre en retard et que personne ne s'en rendra compte. Ah, oh, au fait, fais ce que tu veux de ton un peu plus loin, mais j'aimerais que tu fasses attention à un seul truc. Oui, qu'est-ce que c'est? Les enfants adorent les écureuils, et si tu en trouves des morceaux... S'ils trouvent des morceaux d'écureuil, eh ben ils vont pas être contents, alors fais gaffe. Oh putain la vache, faut que je fasse attention aux écureuils. Do you know you can tap tab to avoir... Oh. Ah ouais. Oh, ça c'est très cool. Alors attendez. Hop. Ah mais le gars, ça me permet d'aller genre bien plus vite. Ok, on va faire tout le tour. Wow. Ah mais il est là le... Non mais... Casse-toi, écureuil. Genre, s'il te plaît, casse... Oh la vache, casse-toi, écureuil. Oh la vache. Ok, donc je peux tomber partout, sauf les écureuils, qu'il a dit. Ok. Oui. Oh la vache, j'ai pris tout le gaz, au secours. J'ai pris tout le gaz. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais... Ah, mais c'est horrible, par contre... Non. Mais non. Mais non. Mais putain, mais j'ai rien fait. Putain, l'écureuil, il allait se tuer sous mes roues. Il est con, cet écureuil. Oh non, j'en ai tué un. Non. Ce n'était pas ce que je voulais, je vous jure, les enfants. Il est con, madame, votre fille. Votre écureuil. Pas votre fils. Si votre fils, c'est un écureuil, c'est bizarre. Hop. Ah non, on va essayer de faire très attention. Hop, le petit drift, attention. Ah, c'est de la terre, c'est dégueulasse, c'est de la terre. T'as la petite musique calme là quand tu prends. Ouais, par contre, ouais. Ça, c'est bien beau de drifter, mais c'est dur. J'aurais pas le temps de tout faire, par contre, je suis un peu deg. On va essayer de faire le max. Oh non, mais c'est pas... Mais non, mais... Alors là, il s'est jeté... Interrupteur... Ah merde. Mince. Ah merde. Oui, mais en même temps, t'es putain d'écureuil, là. Oh, vas-y. Ah, une heure passe. Ah.
Oui. On y retourne. Ok, on y retourne. Et cette fois... Oh, Alt Hunter. Oh, cool. Attends, Alt Hunter. Voilà. Let's go. Si j'avais su ça avant... Si j'avais su ça avant, mon copain... Ouch. Saleté. Bon, je pense qu'on a assez vu le jeu, mais ça, il est pas mal, il est pas mal, mais putain, il est assez dur en vrai, c'est vraiment dur. Je vais quand même continuer parce que j'aime bien. Moi, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Hop là, allez. Il est 6h, probablement un bon moment pour s'arrêter. Ah non, mais j'ai pas les 77$ pour ma maman. Non, non, vous et votre mère êtes morts de faim. C'est une parfaite fin. Tropical Storm, commando, top, sauter en parachute, sniper, s'infiltrer, faire exploser les bâtiments et mourir, souvent. Voilà le beau programme de cet excellent jeu de shoot à la première personne. La prise en main est rapide pour qui a déjà joué à ce genre de jeu. Et la réalisation est somptueuse, beau décor, texture soignée, personnages détaillés, et la bande son est remarquable, surtout quand on meurt. Tropical Storm propose un mode campagne, la difficulté très rapidement croissante et des missions et aléatoire, simple, efficace et très agréable à jouer. Le top incontestable de cette sélection. Ok, alors... help, comment on joue? Okay, alors, continuer de bouger, strafer pour éviter d'être visé. Le pistolet est assez... des fois, il est nécessaire d'être mouillé. Ne jamais pète un chien en feu. C'est vrai qu'on n'y pense jamais. Alors, campagne, vas-y, let's go. Go. Alors. Ok, ok. Wow. Ok, alors. Ma santé, mon arme, la mission, et j'ai une cible à trouver. Et. Ouais, ouais. Ah, c'est toi? C'est toi que je dois pampan. C'est toi que je dois pampan. Ok. Ah bah je suis mort. Ah il est mort. Attendez. Il est où Jean-Mi? Meurs. Il meurt. Comment on recharge? Ça recharge automatiquement. Wow, qu'est-ce que c'était ça? Continue de bouger. Une, deux. Ok. Je peux pas sauter. Ok. Et maintenant? Ah, oula. Oula. Je vais essayer d'avancer en faisant attention. Et bah je suis mort. Il a dit Adrienne. Bah d'accord, super le jeu. Et le dernier jeu n'a pas fonctionné. Tiens donc, comme c'est bizarre. Et bah voilà. Bah moi du coup j'ai testé les 75 jeux d'action. Ça fait beaucoup. Certains n'ont pas marché, du coup je vous les ai enlevés. Sinon la vidéo aurait duré trop longtemps. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez faire pause, il y a tous les noms. Moi je vais faire un petit débrief
juste après. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a une petite démo là qui t'a fait de l'œil? Est-ce qu'il y a un jeu que t'as envie de voir en version complète? Parce que je peux te dire que moi, j'ai quelques petits jeux là, j'en ai 3-4 qui me font de l'œil et que j'ai bien envie de voir en version complète. Donc, je vais peut-être me les faire de mon côté. En tout cas, c'était le deuxième CD. Et peut-être d'ici quelques temps, dès que j'aurai la foi, parce que le CD3, regarde bien là, 165. C'est très long, 165 jeux. Je pense pas qu'il y aura 165 jeux qui vont fonctionner. Peut-être 140, 130. Mais en tout cas, ça, on se le garde pour une prochaine fois. Et en attendant, bah, si t'es arrivé jusqu'au bout, bravo à toi, tu peux me suivre. Pour ta récompense, tu me suis sur tous les réseaux qui s'affichent là, partout, sur ma gueule, voilà, pendant que je suis flou. Et puis, un petit commentaire, évidemment, un petit like, et partagez la chaîne, partagez la vidéo, regardez les autres contenus qui sont proposés. Et puis, c'est déjà pas mal. Allez, je te laisse ici. Merci de ton attention, un bon jeu, et puis à la prochaine. Salut!